Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un truc que moi et François on attendait longtemps et François va vous les montrer. Bonjour à tous, donc oui, aujourd'hui c'est une vidéo partenariat avec une marque qui nous a envoyé Zolipop. Donc voilà, Zolipop c'est une marque de bonbons bons pour les dents. Donc on prend ce bonbon bon pour les dents en fait. Tiens, attends, je donne les 4 paquets, donc on en a 4. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite surprise pour vous. Alors, montre un peu un paquet au choix. Prends au hasard. Voilà, celui-là. Par contre, je savais pas, hein, je me rappelais plus. Oui, il y avait ouvert donc. J'ai ouvert, on a mis du scotch aussi. Donc, je pense que c'est une nouvelle marque qui vient de. qui vient d'arriver parce qu'on n'a jamais vu ça. Donc, c'est des bonbons pour les dents et c'est des bonbons en fait pensés par les enfants. Donc, nous, aromatisés aux fruits avec édulcorant, voilà. C'est sans gluten, sans sucre. Voilà, certifié sans sucre. Donc, c'est vraiment super. Et on en a 4 paquets. Non, attends, celui-là c'est à. Donc, c'est des bonbons mous. Donc, c'est à quoi? Alors, fraise, raisin, ananas, orange. Ok, donc on a 4 goûts. Donc, donnez-moi. Hop. Voilà, on va les tester avec vous. Hein. Et les autres, c'est pas le même. Donc, les autres, après. On en a un autre. Fraise, raisin, ananas, orange, framboise, cerise. Donc, ça, c'est des sucettes Zolipop. Voilà. Ensuite. Fraise, raisin, ananas, orange, framboise. Voilà, donc ça c'est des bonbons durs par contre, ceux-là. Voilà, ensuite. Et menthe. Et des bonbons durs à la menthe. Donc ça, je sais pas si Nathan va beaucoup aimer. Donc tu veux commencer par lequel, Nathan? Par contre, celui-là on pourra pas le tester. Donc on vous dira pourquoi à la fin de la vidéo. Voilà. Alors lequel tu veux tester? Tiens, je te les mets là. Lequel il va choisir? Oh non! On va tester ce. À la menthe. Oh donc c'est des paquets qui sont faciles à ouvrir normalement ici. Non. Voilà, t'as une petite ouverture facile. Donc hop, voilà, tu tires. Ah, ça qui pousse, hein. Non. Tu vas pas goûter toi? Ben, je vais voir. Si tu peux l'ouvrir normalement. Ouais. Alors, donc ça se présente comment? Est-ce que ça sent bon dans le paquet? Ça sent la menthe? Montre. Bah, ça sent la menthe. Santé. Santé. Vous sentez bien? Donc donne-moi un petit paquet, tu en vois pas toi? Donc ça se présente comme ça, ce à la menthe, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. C'est écrit Zoli Drop dessus. Je préfère goûter à la fin de la vidéo. À la fin, ceux-là, comme c'est des durs. Ceux-là, on va les goûter à la fin de la vidéo comme c'est des durs, d'accord. Donc tiens, on va le reposer, tu me le donnes, la remets dans le paquet. On va les goûter à la fin de la vidéo, promis. Hein. Comme c'est dur. Alors les autres, c'est des mous, à part ceux-là aussi. Mélangé. Il y en a que deux. C'est bon, c'est mélangé. Alors. Cela, cela, c'est lesquels? Ah oui, c'est les mous, donc ça rend pour les goûter maintenant. Alors c'est à quoi Nathan cela déjà, je m'en rappelle plus. Alors, fraise, raisin, ananas, orange. Tu veux quoi? Ok, bah on va l'ouvrir déjà. Tiens, t'as pas le ciseau pour que ça aille plus vite. Oui. C'est bon? En fait, c'est facile. Bah oui, je te l'ai dit tout à l'heure. Là ici. Alors laisse ça déjà. Hop. T'y arrives ou t'y arrives pas? Même face. Ah. Alors, est-ce que ça sent bon? On va sentir le paquet. Oh, punaise, montre. Ça sent super bon. Ah ouais, ça sent tous les fruits. En plus, c'est sans sucre. Donc, on va goûter. On n'a jamais goûté sans sucre. Alors, donne-moi un de chaque pour voir comment que c'est. On va pas le goûter un de chaque, mais bon. Alors, on a. C'est écrit dessus ou pas les noms? Attends, je sors tout. Ouais, sors tout. Est-ce que c'est écrit? Il y en a combien dans le paquet? Normalement. Donc, c'est 85 grammes. Mais ils disent pas il y en a combien dans le paquet. Non. Alors. C'est ce que c'est écrit dessus, normalement, c'est comme c'est écrit sur le paquet. Le jaune, ça doit être ananas. Le orange, c'est orange. Le violet, c'est raisin. Et le rose, c'est fraise. Donc ça, ça va être ananas, Nathan. Ça, c'est orange. Le violet, c'est raisin. Et le rouge, c'est fraise. Donc tu goûtes lequel, toi? Au hasard. Au hasard. Alors. Ah, pourvu que j'aurai raisin. Au hasard. Raisin. Non, c'est non, c'est ananas. Ananas, oui. Et moi, nanana, et moi, oh non, je vais prendre un autre. Je vais prendre orange. Allez, go, on ouvre. Tu me diras si c'est bon. Hein. Oh, ça fait du slime carrément. Ah oui, ça colle un peu. Alors, hop. Donc, Nathan, vous n'avez pas entendu le bonbon. Voilà comment il est. C'est bon? Oh, super bon. Alors. Ah oh, ouais, j'adore ce bonbon. Régal. Ah oh, ils sont vraiment mous. Hein. Oh, je vous jure.
J'ai envie de tous les manger. Moi aussi. Ça change de ce qu'on voit en magasin. Ça, en magasin, on n'a jamais vu. Je pense pas que c'est un magasin. Mais les premiers, je crois, pour ça. Ah, c'est trop bon. Hein. Comment je le garde dans ma bouche? Donc, celui à l'orange est bon. Est-ce que celui à l'ananas est bon? Attends. Donc, franchement, moi, on vous conseille ce paquet. T'en veux un? Bah, tu peux en manger un là. Au hasard encore. Par contre, on enlève tous les ananas parce que j'ai dû en manger. T'as remis dans le paquet? On va laisser quand même pour la famille. Hein. Ouais, alors. C'est pas tout pour moi. Voilà. Et toi alors? Moi, j'en veux pas. On va goûter les autres après. Alors, je mélange. Voilà. Tu m'en donnes un au hasard quand même. Ok. Tiens, je sais pas c'est quelle couleur. C'est raisin. Raisin. Alors, est-ce que le raisin il va être bon? Je pense que si l'ananas et l'orange c'est bon, c'était pas acide l'ananas, non? Oh non, c'est super. Ben non, c'est pas sucré. Donc, on connaît pas les prix des paquets, mais ça doit pas vraiment être très cher, je pense. Mmh, peut-être autour des 5 euros, 7 euros. Oui, on remercie bien sûr la marque de nous avoir envoyé ces paquets pour les tester avec vous. Et je vous répète, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car une petite surprise pour vous. Ah. Hein? Zaffy Taffy et là Zoli Drop. Ah oui, là c'est Zaffy Taffy et c'est écrit le bonbon pour de Zoli dents. Voilà, donc vous n'aurez pas de caries avec ces bonbons. Hein, vous pouvez en manger. Alors, on va peut-être toujours en manger hein, parce que il y a pas de sucre donc ça va, c'est super bien. Ouais, non, c'est franchement. Mais n'en mangez pas trop non plus, hein, on sait jamais. Ah, ce qui est bon au raisin, attends. Il est bon aussi? Donc je pense que cela c'est approuvé par Nathan, donc c'est approuvé par tout le monde. Si Nathan aime bien, vous aimez normalement. Tiens, mets les papiers par terre. Donc il nous reste Nathan à la menthe ou alors à ça, un des goûts là. Donc moi tu veux que je mange à la menthe et toi tu manges un de ce paquet là. Ok, tiens, prends la paire de ciseaux. Ça va plus vite avec la paire de ciseaux je pense. Non. Donc Nathan va goûter un. Oh, c'est trop chiant. Ça a de la colle. Nathan va goûter un. Il y a quoi comme doux de goût, pardon, déjà dedans? Attends. Bah, là, il y en a énormément. Ouais, il y en a plus de goûts, là. Il y en a 6. Alors, on a. J'espère que je vais pas tomber. Qu'on va pas tomber sur ceux-là parce qu'il y a les mêmes. Fraises, raisins, ananas, orange, framboise, cerise. J'aimerais. Oh, il y a framboise et cerise en premier. Framboise, je veux voir. Bon, moi, j'attends pour manger mon petit bonbon à la menthe. On va regarder comment ils se forment les autres. Donc, je pense que ça va être les mêmes que la menthe. Ah, ils sont beaux. Prends-moi ça. Ah non, je pensais que c'était tout là. Donc celui-là, je pense que c'est à la framboise ou la cerise. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais on reconnaît, voilà. Il est du rose plus foncé, du rose plus clair. Moi, tiens, tu prends quoi toi? Cerise, je pense que c'est celui-là. J'en ai un. On voit par rapport à la couleur du sur le paquet. Attends, cerise, c'est rouge. Framboise, c'est violet plus. Fraise, c'est plus rose. Et puis après, bah, c'est comme dans l'autre paquet. Hein. Rouge, c'est cerise. Oui. Bah là, j'en ai un. Tu goûtes? Attends. Moi, je vais goûter celui à la menthe. Hein. Allez, je vais vous dire ce que ça donne. J'aime pas trop la menthe, mais bon. Alors. Est-ce que ça sent bon? Donc, voici le bonbon. Comment il se représente? Comme c'est blanc, vous allez peut-être pas bien voir. Voilà, c'est blanc. Un petit bonbon blanc, comme ceci. 5. Je peux goûter là-dedans? 1, 2, 3. Moi, je cherche l'orange. Ouais. Mais l'orange, c'est celui-là, je pense. Non. Je pense que celui à la framboise et à la fraise, ils vont se ressembler, attends. Ouais, framboise et fraise. Il nous manque ananas. Alors la menthe, on sent vraiment bien la menthe, ça fait comme dans les chewing-gum en fait. Attends, je trouve pas... T'as pris... Ah ouais, trop fort. Alors ici c'est écrit Zoli Drop aussi. En fait les bonbons durs c'est Zoli Drop. Les bonbons mous c'est Zoli Taffy. Et les sucettes c'est Zoli Pops. Voilà. Voici les sucettes qu'on ne va pas goûter, hein. C'est bon, tu as mis dans un paquet? Ben, t'en prends deux, t'en mets tout dans ma main. Et j'en choisis une entre les deux. Ok. Pas la même couleur. On prend au hasard. Hein. Alors, voici le premier. Hop. J'ai pris ça en premier. C'est moi qui ai choisi, mais au hasard. Et le deuxième. Non. Voilà, j'ai mis et tu en choisis un au hasard. Ah, celui-là. C'est à l'orange, je crois. Bah oui, c'est à l'orange. Donc, c'est la partie, Nathan. Toi, t'as eu à l'orange la dernière fois. Ouais. Donc Nathan goûte celui à l'orange, donc c'est parti et tu vas nous dire si c'est bon. C'est un bonbon dur, hein, donc ne croque pas. Des fois j'ai mal à ma dent quand je mange des bonbons durs. Faut pas les croquer. Oh. C'est un bonbon dur. Faut un peu laisser faire fondre dans la bouche.
C'est bien? Moi, c'est super. Ça a le goût de l'orange. Moi, la menthe, ça a le goût de la... vraiment de la menthe. T'es sûr que t'en voudras pas un? Bah, peut-être tout à l'heure, parce que là, j'en ai un déjà à la menthe. Alors, ceux à la menthe, franchement, ils sont super bons. On va laisser un ami là. Oh, c'est peut-être un bonus, hein. Ah non, je pensais que c'était un noir, mais non. Donc voilà, nous avons goûté tous les bonbons. Attends, est-ce que tu aimes bien ceux-là? Ah, bah, t'en as goûté un. Mes préférés, c'est celui-là. Ceux-là, moi, mes préférés, c'est ceux-là pour l'instant. Ouais, j'adore ceux-là, franchement, c'est les meilleurs. À mon goût, hein. Même si j'adore ceux-là. Et je vais adorer ceux-là aussi parce que c'est les mêmes, sauf que c'est pas à la menthe. On aime tout. Moi, j'aime bien les deux parce que. On aurait bien aimé goûter les sucettes. Non, on en achètera peut-être une prochaine fois sur leur site internet. Car en fait. Alors tout de suite on va vous dire la surprise. Attends, pourquoi on peut pas manger? Parce qu'on va faire un concours pour vous le faire gagner. Voilà, donc on remercie Zolipop de nous avoir gentiment offert un petit paquet pour vous. Et c'est le paquet des sucettes. Moi, donc, je voulais, voilà. Moi je voulais le manger. Tant pis. Peut-être une prochaine fois. Donc il y a quoi comme goût dans les sucettes? Le même. Fraise, raisin. Attends. Ok. Fraise, raisin. Allez. Orange, ananas, framboise, cerise. Voilà, donc on vous fait gagner. C'est à orange, je voulais trop. On vous fait gagner ce petit paquet sur Instagram. Donc voici le compte Instagram qui s'affiche juste ici. C'est le monde de Nathan. Et on va vous remettre dans le petit i les gourmandises qu'on a mangées et tout. De quoi? Ah oui, si vous voulez. Bah, le site sera dans la description de leur site internet. Et dans le petit en haut. Dans le petit, je ne pense pas qu'on peut le mettre, hein, site internet. Si on peut. Okay. Ah non, pas site internet, mais les vidéos. Les vidéos. Ah oui, d'autres vidéos. Oui, il y a plein dans le petit, il y a plein de vidéos. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à les voir. Là ou là, je ne sais pas. Non, c'est là. Parce là que là, et les gens regardent comme ça et là. Ah oui, donc c'est le petit ici. On met leur site internet et leur Facebook dans la barre d'infos. Et toutes les modalités. Abonnez-vous là. Voilà. Et on vous met toutes les modalités du concours sous le post Instagram. Donc allez voir le monde de Nathan. Voilà. Je sais pas c'est quoi le post Instagram. C'est l'image qu'on devra mettre sur Instagram pour le concours de du sachet des Olipop. Mais j'ai envie que c'est un de nos abonnés. Bah ça va être un de nos abonnés, hein, de toute façon. Ils seront obligés d'être abonnés. J'aimerais que ce soit. Tout le monde. Attends, on vous le répète, il n'y a aucun gramme de sucre dans ces bonbons. On dirait qu'il y a du sucre, mais. Et on dirait, mais en fait, non. Il y a. Juste le goût seulement. Ouais. Super bon. C'est trop trop bon. En plus, c'est du. Pas de sucre ni d'huile de palme dans les affitafi. Au contraire des bonbons ordinaires. Bon, dans ce cas, il n'y a aucun sucre ni. Okay. Ok. Sans sucre, la consommation des Olipops contribue à la minéralisation des dents. Ouais, c'est ce qui est écrit ici dans la petite bulle. Et je peux vous montrer un truc que j'ai acheté à Leclerc en fait. Oui, donc c'est aucun rapport. Alors Nathan a été à Leclerc, il a acheté quoi? Un Lockstar. Donc voilà, à quoi ça représente? Et bien sûr. Donc t'as le petit cadenas mais il est en bas je pense, hein. Ouais. Je vais pas vous montrer comment ça s'ouvre parce que si vous en achetez. Et... Ouais, vous verrez par vous-même. Non, moi je l'ouvre comme ça, vous pouvez pas. Bon. Voilà. Non, donc on a pas fait de vidéo unboxing de Lockstars. Bon, parce que l'on l'a pas acheté. Hein. On trouvait que ça faisait un peu cher. Pour moi, à mon goût, c'est un peu cher. Mais tu sais, ça coûte quand même? Non. 4 euros seulement. Bah oui, mais 4 euros x 10 par exemple, ça fait 40 euros pour des Olipop. Des Lockstars, je suis perdu avec les bonbons et tout ça. Donc on vous présente. Ça ou ça? Bah, j'en parlerai pas, enfin c'est pas le même du tout. Donc, on vous représente les sachets de bonbons qu'on a eu. On a eu des bonbons mous, donc les affitafi. Ensuite, nous avons les Zoli Drop que Nathan n'a pas goûté. Peut-être tu goûteras une prochaine fois. Ensuite, les Zoli Drop aussi, mais avec d'autres goûts. Et les Zoli Pop, voilà, qu'on vous fait gagner sur Instagram, donc on vous le répète. Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, c'est la fin. Nathan, rigole pas s'il te plaît. Je ne vois pas, il y a quoi de marrant? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce que ça t'a plu, Nathan? Oui. On remercie beaucoup Zolipop de nous avoir envoyé. Non, Zolipop, Zolidrop et Zafitafi. Donc on remercie Zolipop de nous avoir envoyé ces super sachets de bonbons pour vous les tester. Et c'est sans sucre et sans gluten, moi, c'est vegan. Bah non, tu vas les faire gagner un abonné, Nathan. Maman, moi, c'est... Alors, tes meilleurs, Nathan, c'est lesquels? Entre les 3 paquets qu'on a goûtés.
Bah oui, je peux goûter le troisième. Ceux-là, moi, les préférés, c'est les Affitafi, oh, les bonbons mous. Non mais vraiment, merci de nous avoir envoyé. Merci beaucoup à la marque de nous avoir envoyé. Je répète encore une fois, on met le site internet dans la description et le Facebook. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo, à partager la vidéo et sur ce, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Alors on se retrouve sur la prochaine vidéo sur notre chaîne. Allez, salut. On vous fait plein de gros bisous. Au revoir. D'accord. Salut. Salut. Et le concours sur Instagram, je vous mets le Instagram dans la description. Allez, au revoir.